Bonjour à toutes et à tous. Dames et Herren, Huyodach. Eva, Elodie, Inès, Louis et moi-même, Amy, avons le plaisir de vous présenter notre nouveau projet Pure Water. Nous avons réalisé un sondage dans lequel nous remarquons que beaucoup ne pensent pas directement à l'eau lorsque l'on parle de pacte vert pour l'Europe, mais sont bien d'accord pour dire que la réduction de la pollution d'eau ne peut être que bénéfique pour nous. Comme vous le savez, l'eau est un constituant biologique essentiel pour tous les organismes vivants. On en a besoin pour tout. C'est donc un élément essentiel à notre survie. C'est pourquoi nous avons contacté la firme Eloi, spécialisée dans l'assainissement des eaux usées, qui était très emballée par notre projet. Darum habe beslotten, in Projekt bekeken dat met water te maken heeft, of om meer precies te zijn, afvalwater. En ce projet et sur notre plateland, une uitgebreide méthode van afvalwaterzuivering in te voeren, die fytozuivering is, gecombineerd met chemische tracer. Nous allons vous expliquer un peu plus en profondeur en quoi cela consiste. Le lagunage est un système dans lequel les bactéries, les algues et éventuellement les plantes macrophytes peuvent transformer les déchets en matière minérale. Lors de la photosynthèse, il y a aussi libération d'oxygène. Ce système nécessite le passage des eaux usées dans trois bassins pour assurer une filtration optimale. Afin d'obtenir un contrôle permanent, nous pensions à l'utilisation des traceurs chimiques. Chaque traceur permet la mise en évidence d'une molécule en réagissant avec la matière étudiée. Il serait donc intéressant d'avoir des bacs tampons où chacun contiendrait un traceur qui permettrait de vérifier un paramètre précis, comme notamment l'azote ou l'oxygène. Leur utilisation à la sortie des bassins permettrait de prouver leur efficacité ou, dans le cas contraire, d'améliorer notre système, notamment en augmentant la quantité de certaines plantes. En ce projet, is goed verbonden met de Green Deal, omdat hij watervervuiling beïnvloedt. En er is minder mechanica, wat leidt tot lagere energiekosten. Bovendien is plantenfiltratie natuurlijk en ecologisch. We hopen dat ons project over fytozuivering en chemische tracer u heeft aangesproken, maar bovenal, en hiermee sluit ik af, danken we u hartelijk voor uw aandacht. Merci beaucoup.